Et bien, hello tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on se retrouve sur Clothing Store Simulator. Voilà. Le but du jeu, c'est quoi? C'est on tient un magasin de vêtements et on te essaie de vendre nos vêtements et tout. Voilà. C'est ce qui est bien, c'est que le jeu est en français. Donc, ça fait rare pour une petite prologue. Voilà. Le jeu est disponible aujourd'hui. Nous sommes actuellement le jeudi 23 mai. Et il est 4h11, comme ça vous le saviez. Et j'espère que vous allez bien. Et à chaque fois, je vais te le dire, mais n'hésitez pas à aller voir sur Instant Gaming mon lien en description. Vous avez vos jeux à moins 80%. Donc essayez d'en profiter au maximum, les gars. Il faut vraiment bien, bien, bien en profiter. Parce que à ce prix-là, c'est donné. Bon, on va commencer le jeu. Je n'ai jamais lancé le jeu. Je ne sais même pas quoi il ressemble. Je ne sais même pas les touches. Je ne sais absolument rien du tout. Donc, je vais les découvrir avec vous. J'espère que le jeu est assez bien optimisé. Parce que je lance mes vidéos, mais à chaque fois, je vérifie pas si les jeux sont bien optimisés ou quoi que ce soit. Comme ça, je le fais avec vous. Bon, vous faites le premier pas dans votre voyage d'une petite boutique au centre du mode le plus important de la ville. Achetez quelques produits, remplissez les allées et commencez à vendre. Vos prix de vente doivent être équilibrés. Prenez soin de vos clients, augmentez vos ventes, améliorez votre magasin. Ne faites pas faillite, travaillez dur et amusez-vous bien. Ouais, je fais mon CV. Ah, apparemment. Ouais, bon, ça c'est pour rire. Ouais, la sensibilité, les gars. On va s'y faire. Allez sur l'ordinateur et commandez votre premier produit. Ou grossiste. On va vendre des robes. Acheter au panier. Voilà. Et acheter. Oh, comment t'es arrivé? Allez le chercher. Oula, par contre, il court vite, hein? Oh là. Hop là, on va mettre ça ici. Voilà. Fixez le prix du produit depuis votre ordinateur. Non, ce n'est pas ça. Prix du marché conseillé 50. Voilà, on va le mettre à 50$. Ouvrez votre boutique maintenant. On va l'ouvrir. Voilà. Mais ouvrir une boutique avec ça comme vêtement. Par contre, tu vois que là, nous avons une autre boutique. Ah bon, on peut pas rentrer dedans. Et on peut peut-être aussi l'améliorer pour plus tard. Parce que regardez ici, il y a du stock. Et ça sera notre stockage. Mais ça, c'est la version complète qu'on l'aura. On pourra aussi personnaliser. Ah, on a une cliente, j'allais dire un client. Quelle robe, madame? Vous savez que j'en veux qu'une à la fois. Ok, il n'y a même pas tes monnaies à rentrer ou quoi que ce soit. Ok, c'est aussi facile que ça en fait. Ok, pourquoi pas. Allez madame, à vous va ravi, prenez toutes les robes. Encore, ça vous va ravi. Mamacita, oh là là, oh mamacita, oh señorita, prenez toutes les robes. Je vous les donne. Allez hop. Vous êtes sérieux? Il n'y a pas de stand dans le magasin? Ah merde. Mais si, madame, il y a un stand là. Pourquoi les robes étaient à terre? Ouh là là, madame. Il fait chaud, hein? Hein, mamacita? Allez, une robe, une. Où, madame? Allez.
Avec votre bonnet là, il fait pas assez chaud? Et on va fermer le magasin. Parce que là, ça vaut plus de robe. Voilà. On va commander encore des robes. On va commander ceci. Un meuble. Ça pour qu'il s'essaye les vêtements. On va reprendre ça. Les marques, on peut aussi acheter les marques, ce que je vois. Et on va acheter des jupes. Hop. Voilà. Le camion, le Atlas de sur Steam. On va mettre ça là. On va mettre ceci ici. Comme ça, on met ceci là. Entre tes oreillers. Tu ma gueule. Ça dans quel sens? Comme ceci. Voilà, comme ça, ils pourront essayer leurs vêtements. Voilà. Et on va fixer le prix. Voilà. Et on va rouvrir le magasin. Appuie sur N pour commencer une nouvelle journée. Ah. Voilà, commencer la nouvelle journée. Hop, on va ouvrir. Messieurs, mesdames, venez voir. Ah, venez vous. Enfin, surtout mesdames. Venez tester. Non, pas vous. Tapette. Même les panneaux. Ils sont pas fait d'effort là-dessus. Ils sont seulement mis à être trucs assis. Allez, hop. Pour vraiment dire, allez hop, ajoutez mon jeu à votre liste. Le jeu, je ne sais pas quand il sort. Si je sais, je vous mettrai en commentaire ou une connerie ainsi. Mais monsieur, c'est pas pour vous. T'as pris une replap? Wesh, t'as fait comment ton compte? Allez, venez. Mais, oh là 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 là. Ah, voilà, une madame. Madame, n'hésitez pas à prendre une robe, une mini-jupe là et venir dans une cabine d'essayage, hein. Notre cabine, elle est là, si vous voulez. Non? Ok. On peut pas commander. On va recommander un meuble. Ah non, regardez, niveau 2, on a encore des autres trucs. Niveau 3. Et c'est tout, en fait la prologue avance qu'au niveau 3 les gars. Est-ce qu'on peut aller partout en ville? Est-ce qu'il y a une limite? Ah, on pourra aussi agrandir notre magasin aussi, j'avais oublié de le préciser. Il y a peut-être un secret quelque part, non? On regarde. Ouais, en fait, c'est carré.
Excusez-moi, madame. Voilà, s'il vous plaît. Élégant femme, le produit n'est pas disponible. Ouais. Oh. Hein? T'as un mec, s'il te plaît. Ah, voilà. Je t'ai bloqué ceci. Voilà, on va d'abord mettre le petit meuble ici. Merde. Voilà. On va reprendre les jeux parce qu'il n'y en a plus. Voilà. Ça, c'est l'Europe. On la met là en stock. Va mettre ceci là. On va prendre les pulls. Et on va les mettre là aussi. Attends, on n'a pas de stockage, donc voilà. On va fixer le prix. On va mettre ça à 38. Ça, c'est moins à 50. Et ça, à... Oh. 38 aussi. Commencer une nouvelle journée. Voilà, hop, on réouvre le magasin. Hop. On a aussi débloqué les marques, ça y est. Et maintenant, normalement, voilà, nous avons tes vêtements. Nous avons tes vêtements pour hommes. Ça y est. Donc, on va racheter une cabine. Et deux trucs ainsi. Du coup, ok. L'entrée est par là. Voilà. Allez-y, monsieur. Je vais mettre vos vêtements pour vous. Les vêtements de mec, du coup, je peux les mettre ici. En attendant, ça, les vêtements de la femme. Là, ça sera pour les hommes. Voilà. Oula, hop, hop, excusez-moi. Voilà. On va commander pantalon et le haut. Fixer le prix à 38. Et à 63. Voilà.
Parfait. Maintenant, le pantalon. Le pull, on va en remettre. Eh ben, prenez un pull. Merci. Et ça, c'est les robes. Allez, venez voir mon nouveau magasin. Allez, allez, allez. Hop. Allez-y. Voilà, monsieur, ça c'est pour vous. Madame, vous allez prendre ça pour votre mari, c'est ça? Oh là là. Voilà votre ceinture. Votre ceinture, madame, elle s'est retirée. Faut la remettre. Ah, il y a quelqu'un qui change. Alors, ça vous va ravi? Satisfaite? Voilà. On va reprendre. Non, c'est pas ça. Va reprendre les vêtements. Ma molette a encore un problème. Les pantalons. Voilà. Oula. Je peux prendre tous les robes avec, ok. Voilà. Voilà, et il reste Europe ainsi. On va mettre avec les autres. Voilà, et on peut ouvrir notre magasin. Et on peut plus rien acheter d'autre. Non. Ok. Mais on peut pas non plus. Le 15 niveau 3. Ok, ouais. Monsieur, ça avait fait tomber un pull. Oh. Oh, un t-shirt. T'as qu'à prendre un pull. Allez, 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 allez. Ça, c'est la file qu'il peut avoir. On peut pas prendre une plante là pour mettre dans l'autre magasin, non? On ne peut pas. Ah voilà les gars, voilà à quoi ressemble le jeu. Vous faites votre petit magasin, vous revendez.
Si vous voulez le tester, la prologue est disponible sur Steam, voilà, gratuitement. N'hésitez pas à le tester par vous-même. Et on va s'en arrêter là pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et de vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.